Nous sommes dans la campagne, aux environs de Thèbes. Un champ de blé doré parsemé de bluets s'étend devant nos yeux. À gauche s'élève la cabane d'Aristée, surmontée de cette enseigne. Aristée, fabricant de miel, gros et détail, dépôt du mont Hymette. À droite, voici la maisonnette d'Orphée, avec cette inscription. Orphée, directeur de l'Orphéon de Thèbes. Leçon au mois et au cachet. Le soleil vient à peine de se lever dans le ciel transparent. Le souffle léger de l'aurore passe gaiement sur les blés et leur ondulation crée des ondes sonores que vous entendez maintenant. Voici qu'une dame imposante et belle, et dont les traits nous semblent familiers, s'avance vers le micro avec autorité. Qui peut-elle bien être ? Madame, madame, qui êtes-vous ? Qui je suis ? Du théâtre antique, j'ai perfectionné le cœur. Je suis l'opinion publique, un personnage symbolique, ce qu'on appelle un raisonneur. Le cœur antique, en confidence, se chargeait d'expliquer aux gens ce qu'ils avaient compris d'avance, quand ils étaient intelligents. Moi, je fais mieux. J'agis moi-même. Et prenant part à l'action, de la palme ou de l'anathème, je fais la distribution. Que prenne garde à moi la femme qui voudrait tromper son époux. Que se garde aussi l'époux qui ferait des traits à sa femme. C'est au personnage du drame que je parle. Rassurez-vous. Voici venir notre Eurydice. Je pars, mais je suis toujours là, prête à sortir de la coulisse comme un Deus ex machina. Eurydice, en effet, s'avançant dans le champ de blé, cueille des bluets qu'elle dispose en guirlandes.